Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, je crois que je m'y suis faite. Même bien, j'aime beaucoup. Je m'apprête à partir à la poste. Hier, quand j'étais chez le coiffeur, j'ai eu un avis de passage. Même si j'avais mis le post-it. Bon, je pense que c'est la box à Mike Louis. Et après, j'ai pas de petites choses aussi. Les travaux à côté de chez moi, ça commence à me péter la tête. Je crois qu'il y en a pour au moins un mois. Quand tu bosses de chez toi, c'est pas cool. Mais bon, je vais essayer de vous montrer mon look qui n'est absolument pas adapté à la température du jour. Pareil, il fait frais chez moi, donc je m'y attendais pas. Ça va, je suis pas non plus hyper couverte, mais bon, les gens sont plutôt bras nus. Alors oui, j'ai osé l'association carreaux et poids, et j'aime assez. Super, merci. En profiter là hein, parce que c'est particulièrement rare, je pense, qu'il fasse aussi beau à cette période. Je vous ai mis là, on va regarder ensemble. J'espère que c'est ça. Pas du tout. Donc, c'est Clinique qui m'a envoyé ça et Octoly mousse nettoyante formule SOS. Donc, ça c'est toujours très très bien. Et un gel action purifiant. D'accord, bon, bah écoutez, je teste ça. Ah, c'est le fameux basique. D'accord, ça, c'est la première étape. Ouais, c'est cool. Avant qu'on file chez Action, je crois que je vous ai même pas dit. Bah oui, on va aller chez Action, je vous ferai le petit haul donc au retour. Je vous montre ce que vous allez pouvoir gagner. Donc, c'est tout cet ensemble. Par contre, c'est mon concours, c'est sur Insta. Tout ce qui est là, ce sont les marques. Hein. C'est ce que je reçois gratuitement que je vous fais gagner. Donc, tout est neuf. Il y a le fameux, je vous l'avais dit, rouge à lèvres MAC. Je l'ai mis comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu le raisin. On a un sachet d'infusion, donc monté bio, un shampoing sans sulfate, nettoyant, donc bioderma visage, petit vernis à ongles Avril, qui est plutôt, on va dire, corail, et un duo, un ensemble Nominoé, très bonne marque, mousse nettoyante et gommage sans grain. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous remets juste ici mon Insta. Je lui ai mis un petit mot pour lui dire que je revenais à 17h parce que sinon il va se dire que je vais esquiver le truc et que je veux pas être là pour la marche. Mais si, si, si. Oups. Et ben c'est parfait tout ça, il n'y a pas grand monde. Nickel. Ah ouais, effectivement, il n'y a pas grand monde du tout. Il faut que je vous montre quelque chose. Vous ne rêvez pas? Ils sont en train d'installer les choses de Noël, donc j'aurais demandé. Ils m'ont dit oui, l'année dernière c'était même en août, dans toutes les actions apparemment. Ça complètement dommage, mais bon, m'expliquer que c'était comme ça, les gens étaient plus ou moins contents parce qu'ils étaient sûrs de tomber sur des trucs. Ouais. De retour, je me pose, je bois un peu et je vous montre après, donc sous forme de haul. Eric est là et je lui dis t'inquiète bébé, on va marcher. Et il fait oui oui, sous-entendu lui, je crois qu'il a pas envie, il est pas motivé. Ah comment je le connais trop. C'est la loose les amis. Vous l'aurez peut-être remarqué dans la séquence juste avant. Je viens de me rendre compte que ma chemise était ouverte de là jusqu'au ventre. Autant dire qu'on voyait mon soutien-gorge, mon ventre. Grand moment de solitude. Ça va qu'il n'y avait pas grand monde. Mais puis le fait d'être debout, peut-être tendu, ça s'ouvrait moins. Non mais franchement, la honte, la honte. Tu pouvais pas me le dire avant de partir, toi. Ça calme. Oh non, bon. Bah, je vais quand même vous faire le haul. Je commence avec ça. Elle est très belle. Pour une fausse plante, je ne vais pas répéter que les vraies, je ne peux pas trop avec mon Jack qui clac, 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 qui les mange toutes. Je l'ai prise parce qu'hier, je suis allée chez Jardiland et j'ai vu un très très beau pot, cache-pot à 9€. Et j'ai dit, bah non, j'adore, mais j'ai pas la plante qui convient. Et bah, je crois que je vais pouvoir y retourner. 4,99€. Je suis totalement décoiffée. J'ai retrouvé les posters art comme ceci que j'ai l'habitude de prendre. Je regarde régulièrement s'il y a des arrivages et il y avait une nouvelle gamme qui est vraiment dans les tons pastels et ça va être très très bien par rapport à ce que j'envisage de faire. Il y a des formats 13-18, 10-15, format 21-29-7, donc A4. J'ai pris ceci. Donc il s'agit de trois petits, on va dire, ce sont des journaux intimes. Ils sont trop mignons, mais vraiment. C'est du blanc, c'est exactement ce que je voulais, donc c'est de la page blanche avec différents motifs. Ils font vraiment, je le répète, de la papeterie très 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 intéressante chez Action.
saisis des petits pots comme ça. Ramequin, c'est la collection Urban Daily. Donc, moi, soit ça sera pour quand t'as du monde, des petits gâteaux apéro, ou alors le matin, fromage blanc, les noisettes et tout. Ensuite, et c'est là que les choses vont devenir intéressantes, j'ai pris ce tabouret tout en bois. Et j'aime bien hein, la finition, ça fait vraiment authentique. Ce banc va être complètement customisé avec plein de choses que j'ai achetées notamment chez Action. Et ça sera dans un vlog ou une vidéo dédiée prochaine. Je sais déjà comment je vais le customiser, il est trop beau. Il m'a coûté 12, je crois que c'est 12 euros. Je sais pas si... Il me semble. Ceci pour un DIY, c'est à la base... Je vous assure, je ne savais même pas. C'est une housse de coussin. Mais moi, je ne vais absolument pas l'utiliser comme housse de coussin. 2,64€. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, si jamais ça vous intéresse, j'ai 3 DIY qui arrivent très très vite, comme je vous disais juste avant. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à me suivre. Dans les vlogs prochains ou aux prochaines vidéos, vous allez voir mes petites créations. Et je peux vous dire que ça va être super. Super mignon, notamment je vous montrerai aussi ça, comment ça rend dans le pot de Jardiland. Je suis prête et motivée surtout. Voilà. Bon, l'autre je l'ai pas mis, il est trop chaud, il me tient trop chaud le haut hyper fluo là. Nous voilà, vous reconnaissez. Ah oui, bah oui, voilà, il y a 3 circuits. Nous, on fait celui-là, en fait. On fait celui-là. Je pense qu'il faudrait le doubler. On s'échauffe, parce qu'après, c'est parti. Ça rigole plus. Le mec qui me suit. On fait un stop, on fait demi-tour. Tu veux rester un petit peu? Allez, on passe. Ça se trouve, on va revoir la biche. Voilà, bon, c'est plus chiant de marcher dans le gazon. Je vous montrerai pas tout le temps, forcément, mais là, je trouvais que ça valait le coup. Je fais un stop, regardez. Comment c'est mignon, il y a le petit ponton et tout. Oh, sur les berges, il y a une maison. Là, la maison. Ah, carrément, bon allez, j'y retourne. Putain. Avoue que c'est un peu flippant quand même, hein, par endroit. Et on a fini. Et moi j'ai souffert, on a souffert. C'était le plus dur aujourd'hui. J'ai mal. T'as mal où? Ouais, mais. Aux jambes? Ouais. Au dos? Mais c'est normal. Bras. Ça peut pas faire de marche, de mal la marche rapide. Je pense pas. Cette montée à la fin, elle me tue à chaque fois. Ouais. Wow. Elle casse les pattes, quoi. Vous avez le McDo. En même temps, il faut manger. Ils me suivent partout, ces minous. À chaque fois, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un chat dans mon vlog. Bon, il y a Jack, mais d'autres. Mais t'es trop mignon. Oh, mais t'es trop mignon, mignon. Comment tu t'appelles, petit loupillo? Tu vis dans la forêt? T'es pas très, très, très vieux. T'es beau garçon. Non, t'es une petite fille, j'ai l'impression. Tu m'as l'air toute fine. Oh là là. Je suis rentrée, je me suis posée. Je suis, mais claquée. Mais une bonne fatigue, vidée, quoi. Il faut absolument qu'on s'y tienne. C'est trop bien. Ça fait vraiment du bien, du bien, du bien. À un moment donné, ça me pinçait, là, à fond. C'est bizarre, quoi. Là où d'ailleurs il m'avait manipulé, donc c'est peut-être bien. Peut-être que tout est en train de se remettre en place, j'en sais rien. Quelle heure est-il? Il est 7h. Il est 7h et je sais pas s'il déconnait ou si t'es sérieux avec le McDo. Après, comme je disais, faut manger, donc pourquoi pas. Et tout, c'est de pas déconner en prenant des glaces et tout ça. J'en sais rien. Bref, je vais... J'aimerais qu'il me fait mal. Je vais clôturer maintenant hein, ce vlog. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Parce que quand j'ai des choses qui sont
sympa, que je sais, le soir et tout, évidemment, je continue de vloguer, mais là, ça va être une petite soirée tranquillou, rien de prévu de fou. Il faudrait que je vous montre quand même mes petites installations Maison du Monde, parce que vous êtes plusieurs à me demander, donc j'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais le faire. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Donc, il y a ça, et puis, là, rester connecté par rapport à tout ce que je vous ai dit, le tabouret, et puis... d'autres choses. Je vous fais un énorme bisou et puis je vous invite, c'est pas fait, à vous abonner pour suivre mes parutions et puis à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain. Salut.